Vous allez voir, le vent ne sait pas lire. Un mélodrame sentimental sur arrière-fond de Seconde Guerre mondiale. Un film britannique produit en 1958 par Betty Box et réalisé par Ralph Thomas. Un film de circonstance en ce jour béni de la Saint-Valentin. De Ralph Thomas, vous avez déjà vu dans Cinéma de quartier une estimable version des 39 marches. Cet artisan du bon cinéma anglais est également l'auteur de Folle des Hommes, une excellente comédie en technicolor narrant les aventures terrestres de la jolie sirène Miranda. Nous lui devons également Un tombeau ouvert, un passionnant thriller sur les courses automobiles et le délirant Plus féroce que les mâles, une parodie des films d'espionnage forte à la mode à l'époque. Le vent ne sait pas lire est interprété par Dirk Bogard, qui était alors un comédien attitré de la Rank, célèbre compagnie de production britannique, et il n'avait pas encore acquis sa renommée mondiale. Sabi. Patrick. Oh. Où es-tu? Je vais très bien. Rarement. Oh. Rarement. Tu étais malade. Tu ne me l'avais pas dit. Nous étions si heureux. Je me pardonne. Te pardonner? La délicieuse Yoko Tani lui donne la réplique. Yoko Tani était alors la compagne de notre compatriote Roland Le Saffre. On sait qu'elle fit une carrière internationale après avoir débuté dans les studios français. Nous avons pu la voir dans Marco Polo, La fille des Tartares ou Un géant à la cour de Kublai Khan. Dans des rôles secondaires, vous pouvez remarquer Donald Pleasance qui a joué entre autres dans Le docteur Crippen, John Fraser qui sera plus tard un Jacques l'Éventreur surprenant dans Sherlock Holmes contre Jacques l'Éventreur de James Hill, et Anthony Buchel qui passera derrière la caméra en 60, signera un fort attachant Hammer Film, L'empreinte du dragon rouge. Les histoires d'amour finissent mal en général. Le vent ne sait pas lire le démontre une fois de plus. Hélas !